Bonjour mes amis vierges, je vous retrouve aujourd'hui pour faire votre guidance du 15 au 31 août 2024. C'est pas les cigales que vous entendez, c'est le ventilateur si vous entendez. Il fait très très chaud en Dordogne. Allez, on y va pour mes amis vierges. Quel message avec le tarot psy du cœur? Ça réfléchit beaucoup, je trouve. Une carte. Vous retrouvez votre équilibre. Pourquoi? Parce que vous avez réussi, vous avez fait des efforts, vous avez réussi à vous réparer. Pourquoi? Parce que peut-être que vous avez besoin qu'on vous tende la main pour pouvoir vous réparer. Encore réparation, afin de couper des liens, afin de couper des chaînes, afin tout simplement de vous réparer. Pour certains ou certaines, vous avez dû vous réparer parce que vous êtes détaché de votre tristesse, de votre chagrin, de votre malheur par rapport au sentimental. À un moment donné, vous refusez d'ouvrir les yeux, sachant que là, vous avez vraiment ouvert les yeux, mes amis, vierges. Et vous retrouvez votre joie et votre stabilité. Que le soleil revient vers vous. Vous reprenez soin de vous. Ça peut être aussi, il y a des bisbis dans un couple. Et vous étiez prêt à tout casser. Et là, vous reprenez votre équilibre au niveau sentimental. Parce qu'il s'est passé quelque chose dans votre couple qui vous a peiné, qui vous a chagriné. D'accord? Ça peut être les deux cas de figure que je viens de vous citer. On me dit que maintenant vos rêves vont devenir réalité, c'est pour ça que votre joie revient. On me dit que votre plexus solaire est bien nettoyé, vous avez vidé votre poubelle, donc vous avez sorti, expulsé tout ce que vous aviez à dire. Et oui, parce que vous avez énormément cogité avant. Pour certains ou certaines vierges, vous avez fait vos compiles. Hein. C'est dans les rituels de la lune. Hein. C'est ma page communauté. Là, vous prenez de nouvelles initiatives. En plus, il y a une occasion favorable qui arrive à vous. Vous allez la saisir. Pourquoi? Parce que c'est la réussite, c'est le grand succès. Mais vous êtes dans l'attente de résultats. Vous avez quand même un sentiment de solitude, vous vous sentez seul. Mais vous ouvrez les yeux, donc vous n'êtes pas seul. Ben non, vous n'êtes pas seul. Parce que là, vous allez atteindre vos objectifs. Hein. Vous allez y aller à fond. J'ai l'impression qu'à un moment donné, il y a eu un manque de confiance en vous. Mais à un moment donné, vous partez sur un changement, vous pouvez vous laisser porter. Et puis, vous l'avez bien mérité, c'est la récompense. Pourquoi? Parce que vous êtes beaucoup plus à l'écoute et c'est vraiment une nouvelle embarcation qui vous amène sur le succès et la réussite. Peut-être qu'à un moment donné, vous êtes dit, il n'y a plus de partage entre nous. On n'a plus rien à faire. Il y a eu des moments très, très compliqués. Vous avez été dans le mode observation. Là, ce que vous avez fait, c'est reprendre confiance en vous et repartir à la case zéro. Je ne sais pas si ça vous parlera. Moi, je vous dis ça. Je ne dis rien. Là, c'est ma tête. Hein. C'est pour ça que je ne vous montre pas les cartes. Sinon, on ne prendra rien avec les cartes. Ou on est médium, on n'y est pas. Allez, on va prendre l'oracle de l'énergie. Qu'est-ce que j'ai à vous dire pour mes amis vierges? On parle de beaucoup d'hostilité de vous par rapport à quelqu'un. Beaucoup, beaucoup. Vous avez eu besoin, suite à toutes ces hostilités, de réfléchir. Pourquoi? Parce qu'il y avait énormément de possibilités devant vous, énormément de portes devant vous qui s'ouvraient. Vous ne saviez pas laquelle ouvrir. C'est pour ça que vous avez pris du temps pour réfléchir. Mais il n'y a pas que vous qui avez réfléchi. Suite à ces hostilités, on a l'homme et la femme, ça peut être deux hommes, deux femmes. Vous avez pris le temps, chacun, de réfléchir à de nouvelles possibilités. Parce qu'à un moment donné, vous êtes senti pied et poing liés. Ça peut être financièrement, par les difficultés aussi financières.
On parle de solutions à trouver aussi par rapport à une habitation, par rapport à un foyer. Là, vous passez à l'action, vous allez essayer d'avancer, coûte que coûte, pour reprendre enfin votre force de lion ou de lionne, malgré la décision que vous aviez. On part d'une renaissance. Il y a des choses qui renaît en vous. Vous recommencez à vous apprécier et vous faites marche arrière et vous partez sur autre chose. C'est comme si à un moment donné, vous n'avez plus été compatible. On dit que vous avez été assez patient ou patiente comme ça, il y avait trop de contraintes financières. Ce que vous souhaitez là, c'est votre propre victoire. Et dire les choses, parce qu'on a, on a l'archange Gabriel qui est là en disant « exprime ce que tu as à dire ». Et ça sera ta propre victoire d'expulser. On ne doit jamais retenir des choses, on doit les dire. Que ça plaise ou ça plaise pas, c'est pas grave. Qu'on mette les mots ou les formes, c'est pas grave, on dit ce qu'on pense. Et vous aviez besoin de dire cela, pour reprendre juste votre équilibre, pour partir réellement sur votre élévation. Pour certains, il y avait de l'argent en jeu, je ne sais pas, je vois de l'argent. En tout cas, tout ce que je peux vous dire, vous partez sur une élévation. Les portes sont ouvertes pour vous. Vous allez reprendre votre santé en main. Et vous allez reprendre votre vitalité. Mais il fallait absolument que vous enleviez ce masque. Parce que pour certains ou certaines, vous êtes découvert guérisseur ou guérisseuse de tous les temps. Ou alors, les guérisseurs, Raphaël, Michael sont venus pour vous. Parce que là, on parle de magicien quand même. Hein. La force de l'univers, la spiritualité, et vous partez sur un nouveau voyage. Vous vous embarquez sur notre sphère dans la spiritualité. Bon, par contre, ne vous inquiétez pas, on va énormément vous jalouser, hein, sachant que vous étiez dans l'ombre, et là, vous passez vers la lumière. Hein. Alors, qui c'est qui va vous jalouser? C'est tout ce qui est familial, hein, direct. Ok. Nous allons partir avec le tarot doré. Ça fait bien longtemps que je ne l'ai pas pris. Le tarot doré. Allez, pour mes amis vierges du 15 au 31 août, s'il vous plaît. C'est le message. Non, une carte, s'il vous plaît. J'en veux pas trois, j'en veux qu'une. Vous avez dû prendre du recul pour pouvoir réfléchir afin de regarder la vérité et la réalité en face. Et vous avez dit, ce que je vois là, c'est plus possible, c'est mort. Je dois réellement reprendre la maîtrise de moi-même. Ça fait longtemps que j'hésitais. Peut-être qu'il est temps que je parte. Mais comment je vais faire pour jongler? Mais vous allez y arriver, j'en suis persuadée. Mais oui, parce que là, vous étiez en mode échec, ce qui est fatigué de vous. Ce qui est fatigué de vous battre, c'est pour ça que vous aviez besoin de recul. Pour examiner la situation. Eh oui. Parce qu'à un moment donné, vous avez tellement fermé les yeux que... Vous avez fermé les yeux parce qu'il y avait beaucoup, beaucoup trop de conflits. Et vous pensiez plus avec votre cœur qu'avec votre tête. Donc là, vous coupez tout. Vous coupez tout. Vous faites un choix. Vous faites un choix. Crucial pour vous. Mais important aussi. Crucial, mais important. Ce que vous voulez, c'est du renouveau financier. Ce que vous voulez, c'est vous voulez de l'argent. Vous voulez vous faire plaisir. Et là, vous êtes en train de vous fixer un but afin de gagner encore plus d'argent. Peut-être que tout cela
vient du professionnel. Vous regardez la vérité en face, c'est quelque chose qui doit s'arrêter, qui est mort. Vous essayez de tourner le dos à une situation, mais il va falloir jongler et reprendre la maîtrise de vous-même. Tout ça vous a mis dans l'échec, vous avez dû faire un choix pour tout simplement reprendre les commandes de votre vie au niveau financier. Donc vous allez doubler d'efforts professionnels. Vous étiez trop dans la confusion là. La situation pour vous était trop complexe. Tout ça vous a inquiété ou vous inquiète. Qu'est-ce qui vous inquiète? C'est l'argent. Bizarrement, avec vous, on n'est que sur l'argent. C'est l'argent. Par rapport à votre dur labeur. Vous vous concentrez. En plus, vous êtes très méthodique. Vous prenez le temps pour tout. Financier, on a que des deniers hein, partout. Hein. Et on a la roue de la fortune. Vous voyez que je vous dise quoi hein. La roue tourne enfin pour vous. Vous avancez avec l'espoir que tout fonctionne parce que vous avez repris votre peps. Et puis là, vous allez pouvoir fêter quelque chose. Vous allez faire la fête, vous allez fêter quelque chose. Ben oui. Parce que vous êtes très généreux, généreuse aussi, hein, d'accord? Mais des fois aussi très naïf, oui, naïf. Mais en tout cas, là, vous allez fêter quelque chose. On a beaucoup, beaucoup de deniers. Hein. Sincèrement, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et 9. Ok. Vous avez un grand talent. Faites-vous plaisir. Vous pourrez être satisfait de ce que vous avez mis en place, de ce que vous allez mettre en place. C'est pour ça que vous avez fêté quelque chose. Après avoir longuement réfléchi, l'as de bâton, on est sur le pro. Hein. C'est un cadeau de l'univers qui arrive pour vous. On me dit qu'il y a quelque chose qui s'offre à vous. Hein. Vous allez pouvoir passer à l'action, prendre votre courage à deux mains et aller chercher votre passion, aller chercher ce que vous voulez. C'est un cadeau qui arrive. Foncez. Au niveau pro, il va falloir foncer. Hein. Ah ben oui, c'est d'or. Au niveau pro, vous tournez le doigt quelque chose et vous mettez quelque chose en place ou des nouveautés en place et ce qui vous apporte, waouh, c'est magique hein, ce que ça vous apporte. Par contre, on va recommencer, on repart sur l'amour. Il vous manque quelque chose, mais vous ne savez pas quoi au niveau sentimental. Peut-être qu'il n'y a plus de joie de vivre ou beaucoup moins de partage entre vous deux. Si vous êtes en couple. Ok. Vous êtes dans la mélancolie par rapport à votre couple, peut-être qu'il n'y a plus trop de partage entre vous. Mais on me dit que vous allez être prêt ou prête à relever tous les défis. Mais faites attention à votre imagination. Soyez dans le réaliste, pas dans le rêve, d'accord? Ben oui, il y a bien quelque chose. Vous voulez viser le monde, là. Vous êtes en pleine expansion professionnelle, donc vous voulez que ça soit l'expansion aussi sentimentale, d'accord? Vous êtes en train de tout remettre en question. Vous ouvrez enfin les yeux parce que vous partez sur le monde, pardon, d'accord? Et là, j'ai l'impression que vous regardez dans la glace et vous êtes l'opposé avec votre autre. Vous dites, c'est plus possible, on est... Je sais pas, on s'est perdu à un moment donné. On s'est perdu en chemin, peut-être, hein? Mais moi, j'ai besoin de prendre une décision, j'ai besoin de reprendre mes forces... Il va falloir que je fasse un choix. Il va falloir que je fasse un choix important. Ben, le choix, c'est... Vous allez le faire. Hein. Le choix, il est plus professionnel que sentimental. Après avoir réfléchi, vous tournez le doigt à une situation. Bon. Super.
En tout cas, c'est la réjouissance professionnelle, hein, tout ce que je peux vous dire là. On va partir sur Aliaské, on va voir si on a quelque chose à nous dire. Ok, 77 Aliaské. Là, il y a quelque chose dans un tunnel noir pour certains ou certaines. Chaque tirage parlera différemment ou pareil. Vous êtes dans un tunnel noir. Beaucoup de jalousie, beaucoup de déni autour de vous. On dit que vous avez eu besoin d'aide, vous avez besoin d'aide. La route a été sinueuse pour vous au niveau financier. On revient sur le financier, hein. On me dit que vous avez la protection sacrée sur vous. Ouais, c'est clair. Alors, je vous montre les cartes. Vous étiez dans un tunnel noir, d'accord? Il y a eu énormément de jalousie. Pardon. Peut-être de la part de votre autre. Vous avez eu besoin d'aide. On dit que la route a été très sinueuse. Ça a été très, très compliqué, tout cela. Mais vous aviez la protection sacrée. Qu'est-ce qui a été compliqué? Votre alliance avec quelqu'un. Avec énormément de difficultés. On revient toujours pareil, du coup. Et là, vous allez devoir faire un choix et prendre une décision importante pour vous. Vous allez avoir besoin de parler face à face avec votre autre. Peut-être que vous allez vous mettre d'accord pour signer quelque chose ensemble. Vous allez énormément discuter. Ce que vous avez discuté, c'est que vous êtes plus dans l'amitié que dans l'amour, hein, du coup. On dit qu'il y a quelque chose d'imprévu, de soudain qui est arrivé, qui vous a rendu malade. On dit que là, vous êtes dans une période de stagnation. Par d'une femme, ça peut être un homme. Stagnation par rapport à l'amour. Vous avez besoin de reprendre votre vie en main, vous avez besoin de recommencer à rire, à jouir de la vie. Vous avez besoin de sortir, vous avez besoin d'invitation et tout ça, c'est coupé. C'est vous qui avez tout coupé. Parce que vous aviez besoin que vous foutiez la paix, que vous fassiez un break afin de prendre du recul et de réfléchir. Pourquoi? Parce que ce qui est vraiment pas bien du tout. Et c'est pas vous, c'est votre autre. Là, on parle d'un homme. Ça peut être une femme, hein. Pas de féminin masculin. Suite à un courrier, suite à une annonce, suite à une information, vous tournez le dos à une situation. Parce que vous avez marre de traverser énormément d'obstacles, vous préférez rester dans le silence. Pourquoi vous restez dans le silence? Parce que vous êtes complètement perdu. On a quoi de deck? Perdu financièrement. C'est un truc de fou, hein. Mais par contre, tout ce que je peux vous dire, c'est que les énergies reviennent en force sur votre santé. On parle de bonheur, de lumière, de mise en lumière. Et on parle de grand triomphe. Par rapport à quoi? À une entreprise, par rapport à quelque chose que vous mettez en place. Sentimentalement, c'est pas bien. Alors par contre, professionnellement, c'est waouh, c'est génial. On ne peut pas tout avoir dans la vie. Je dis ça, je dis rien, hein, mais bon. Il y a toujours quelque chose qui ne va pas. Sinon, on s'en oublierait. Allez, on y va avec l'oracle de l'amour. J'essaye de faire un petit sourire, parce que sincèrement, il est pas. À part financièrement, c'est waouh. Enfin, vous aviez peur, mais c'est waouh. Sentimentalement, c'est pas cool. On va voir après. Hein. Ne vous inquiétez pas. Allez, on y va avec l'oracle des miroirs. La santé. On revient sur votre santé. La santé, ça a mis énormément de retard. Peut-être que vous travaillez chez vous. Aussi, au sein de votre foyer. Et vous êtes dans le bien-être. On a la maison avec la santé. On peut me dire aussi que vous reprenez votre santé en main. Votre santé en main, malgré que ça a pris du temps. D'accord? Mais là, on me dit qu'il y a un cadeau d'univers qui arrive pour vous. Mais c'est pas tout de suite. Hein. C'est pour ça que c'est pas tout de suite. Non. Mais par contre, il y a bien une renaissance pour votre santé. Ça, c'est clair. Alors, avant, vous n'arrivez pas à vous projeter. Maintenant, vous allez pouvoir enfin vous projeter. Avant, vous étiez dans l'instabilité émotionnelle et physique. Maintenant,
vous allez sortir de cette instabilité. Vous avez la protection divine sur vous. On me dit que vous allez reprendre votre joie de vivre. Et ça va être magique pour vous. Bon, écoutez, ça va être magique pour vous. Par contre, il y a bien une séparation sentimentale. Ça sert à rien que j'épilogue parce que j'ai encore plein de choses à vous dire. Je me rassure, je parle d'une chose. Allez, un petit message des secrets de ton avenir. Qu'est-ce que j'ai à vous dire, mes amis vierges? Un échec est à prévoir dans un avenir proche. Un échec est à prévoir dans un avenir proche, on n'a pas de bonnes intentions envers toi. Après, non, tu n'es pas seul, tu peux demander de l'aide, d'accord? On dit qu'une opportunité va se présenter à toi pour que tu demandes de l'aide et tes démarches que tu vas faire seront en rendez-vous et ces rendez-vous seront honorés. D'accord? Après, nous allons partir sur les rêves en chant. Non! Non, non, nous allons partir si vous avez un ex ou voilà, en fonction. Qu'est-ce que la personne a à vous dire? D'accord? Un ex ou si vous pensez à quelqu'un, qu'est-ce que cette personne a à vous dire? On part avec la métiste là. On parle d'atmosphère chaleureuse, détendue sur les réseaux. Vous pianotez sur les réseaux. Oui, vous recevez aussi des messages. Les messages sont magiques. On parle de quelque chose de passionnant. Pour... Non, mais alors, sincèrement, pour certains ou certaines, il y a une rencontre sur les réseaux. Hein. Ça, voilà. Hein. Ça, c'est clair, net et précis. On ne peut pas faire mieux. Hein. Je remets les cartes dans l'ordre. Donc, sur les réseaux, on est bien cet été. En plus, c'est vous, hein. Cancer, Lion, Vierge. Réseaux sociaux, cet été, atmosphère chaleureuse et détendue, c'est magique, amour passionnant, on s'envoie des messages, c'est un grand oui. On a quoi derrière? Bon, ça. Oh là là. Ah, attendez, faut que je me lève. La carte de partie. Alors, tout simplement, c'est peut-être qu'il y a une réconciliation avec quelqu'un. Et cette réconciliation avec quelqu'un, cette personne est superficielle, elle vous cache des choses. Hein. D'accord? En plus, on me dit que vous êtes en vie double. Et oui, vous êtes tous les deux superficiels. En gros, vous avez juste envie de vous amuser. Hein. Vous avez juste du charnel. Hein. Attention, bah attention, parce qu'il y a une personne fausse. Hein. D'accord? Peut-être qu'il s'est déjà passé quelque chose avant. D'accord? Et là, vous vous retrouvez sur les réseaux. Mais on me dit que vous allez avoir un choix à faire. Ouais, et pour vous, le problème, c'est... Qu'est-ce que vous voulez? C'est ça. Le charnel. La renaissance au niveau du charnel et happy den, hein, c'est waouh. Le grand bonheur au niveau du sexe. Hein, rien d'autre. Hein, j'ai pas sorti une carte d'amour. Hein. Vous allez avoir un déclic. On me dit que ça va vous faire peur. Ça va faire peur à votre famille parce que du coup, ben, vous avez envie de partir parce que vous avez eu un coup de cœur. Hein. Sincèrement, vous avez peur de blesser votre famille parce que vous avez eu un coup de foudre pour quelqu'un. Pouf. Ok. Nous allons partir donc sur les rêves enchantés, c'est ce que j'avais dit. Vous avez besoin de reprendre vos forces. On dit que vous gardez espoir de reprendre vos forces parce que là, vous étiez vraiment dans le noir, à ne plus pouvoir avancer.
mais pourtant vous faites un énorme ménage dans votre vie. Malgré tout ça, ça vous déboussole, ça vous met dans l'égarement. Mais là, vous allez reprendre vos forces et vous allez de nouveau être déterminé à couper quelque chose. On y revient. Afin de reprendre votre énergie, ça fait longtemps que ça ne va pas. Vous avez décidé de déposer votre masque, mais tout cela va vous inquiéter réellement, parce que sinon vous n'aurez plus d'ancrage. C'est comme si vous n'aviez plus de foyer. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un truc bizarre ce que je vois dans ma tête. Bon, en tout cas, si c'est pas ça, vous allez être déterminé à couper, à reprendre votre énergie. Ça fait un moment où vous posez les masques. Tout ça va vous inquiéter parce qu'il n'y a pas d'ancrage. Vous partez sur une élévation. Il y a quelque chose qui vous stresse, qui vous angoisse. Vous ne voulez pas aller trop vite. Et pourtant, vous voulez ouvrir un nouveau livre de votre vie. Parce que vous avez besoin de retrouver votre sérénité. Peut-être aussi par rapport à des enfants. Sinon, vous avez juste envie de vous retrouver, vous seul. Et vous patientez. Malgré le chagrin et la peine que vous avez, il y a un choix qui va être fait. Pas du tout sentimental. Ou alors un choix qui est... Non, c'est pas du tout. C'est pas un choix sentimental, c'est plutôt un choix sur une habitation. Je vous l'ai dit, j'ai l'impression que pour certains, vous avez peur de perdre votre bien où vous habitez. Est-ce qu'on a envie que vous serez dans l'égarement, complètement perdu sur votre famille? Et peut-être que vous attendez une invitation pour quelqu'un qui vous héberge. Parce que vous avez perdu le bonheur au niveau de votre alliance, malgré votre alliance de couple. Hein, après avoir discuté énormément, examiné les choses. Si vous demandez à un ami ou une amie, on vous répondra non, c'est mort. Hein. Je vous dis direct, c'est marqué. C'est marqué dans ma tête, mais c'est marqué là aussi. On dit qu'il est temps de garder espoir, mais il est temps d'arrêter le passé, arrêter de communiquer avec votre passé, avec la personne où ça ne va pas. Allez chercher le soleil, parce que là, il y a énormément trop de difficultés que vous vivez sentimentalement. Effectivement, c'est un coup de pas de chance, il n'y a pas de transformation, il n'y a rien. Tout ça vous épuise. Donc, à part l'argent, sentimentalement, c'est pas top. D'accord? Après, si ça vous parle, c'est bien. Si ça ne vous parle pas, tant pis, ce n'était pas un message pour vous. Sinon, vous likez, vous abonnez et vous laissez vos commentaires. Je vous embrasse très fort, je vous dis à bientôt. Bisous, bye bye.